Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de Jonesy Obscure. Alors première chose que vous allez devoir faire, c'est parler au personnage Jonesy Obscure, qui se trouve à Steam Stack, donc juste ici sur le gameplay. Donc rendez-vous à cet emplacement-là et parlez à Jonesy Obscure. Donc quand vous arriverez ici, il est dans ce bâtiment-là, vous pouvez le repérer avec la petite bulle de conversation juste au-dessus de sa tête. Donc boum, vous allez parler à Jonesy Obscure, vous lui demandez la quête de gauche, pas celle du milieu, pas celle de en haut parce que ça c'est les autres défis, que j'ai déjà fait un guide complet dessus, je le mettrai en description si jamais vous voulez. Mais il faudra aller choisir les quêtes de gauche, si vous voulez réaliser les défis que je vais présenter à l'instant. Donc maintenant, le premier défi va vous demander d'obtenir des parchemins dans différentes bases de Lio. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer la première base de Lio que je vais aller. C'est à côté de Dirty Docks. Donc c'est juste à côté, c'est juste ici. Donc je vais me rendre à cet emplacement-là et je vais vous montrer l'emplacement du parchemin. Ok, donc j'arrive près de la base de Lio. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est rentrer dans cette base-ci que je vous ai montré précédemment. Donc l'entrée, elle est ici, voilà. Et le parchemin se trouve juste ici. Donc cependant, vous allez devoir en trouver un deuxième pour terminer le défi. Donc là, je vais vous montrer un deuxième emplacement de base de Lio. Donc le deuxième emplacement que je vais aller, c'est l'emplacement qui se trouve juste ici. Donc là, c'est une base de Lio. Donc je vais me rendre à cet emplacement-là pour aller chercher le deuxième parchemin. Ok, donc j'arrive à la deuxième base de Lio. Hop, je rentre dans la base et vous allez voir le parchemin juste à côté de l'entrée. Donc juste ici. Maintenant que j'ai terminé le deuxième défi, il va falloir que j'utilise, comme pour le troisième défi, il va falloir que j'utilise une pierre d'ombre pour obtenir le réceptacle spirituel. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Voilà, vous vous rendez juste ici à cet emplacement-là et vous allez devoir trouver une pierre d'ombre. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, il faudra trouver le réceptacle spirituel. Donc pour la pierre d'ombre, par contre, ne prenez pas une pierre d'ombre trop éloignée parce qu'en fait, vous aurez un laps de temps. Vous devez être en nombre pour récupérer le réceptacle spirituel. Si vous n'êtes pas en nombre, ça ne fonctionnera pas. Donc essayez de prendre une pierre d'ombre là où je vais en prendre moi-même. Donc normalement ici près des arbres, voilà, juste ici il y a des pierres d'ombre. Donc ce que vous faites ensuite, c'est que vous la prenez, vous la consommez. Et là vous allez monter sur la grande montagne juste ici comme je suis en train de le faire. Donc, je vous laisse le gameplay, comme ça ben, vous voyez un peu par où je passe. Ouais, comme ça vous voyez un peu par où je passe. Normalement ça devrait pas être trop loin. Je ne me trompe pas. Oui c'est ça, il est juste là. Donc regardez, c'est juste ici. Donc je le récupère et je vous montre l'emplacement exact. Hop. Donc c'est juste à côté de Dirty Docks, juste ici. Donc voilà, récupérer le réceptacle spirituel pour terminer le troisième défi. Non, le deuxième défi. Maintenant le troisième défi va vous demander de toucher un cube. Alors est-ce qu'il y a un cube dans les environs? Je ne pense pas. Je pense qu'ils n'y sont plus. Hein. Donc là, non, il n'y a plus le cube. Moi, ce que je vais faire, déjà, je vais récupérer ma voiture et je vais aller me rendre au centre de la map. Donc juste ici, il y a un cube en or et je pense que celui-là, il ne bougera plus jamais pendant jusqu'à la fin de la saison, saison 8. Donc moi, je vous conseille d'aller au centre de la map. En plus de ça, ça vous rapprochera directement pour le prochain défi qui est le numéro 4. Donc c'est parti, je vais me rendre au centre de la map. Ok, donc ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement toucher le cube en or. Donc regardez, je le touche, boum, et je termine le défi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ah ok, c'est bon, ça vient de se valider. Donc maintenant, le quatrième défi plutôt, excusez-moi, est de détruire le lamas corrompu et tous les fragments corrompus. Donc les fragments corrompus, logiquement, il y en a tout près de moi. Puis, évidemment, il y a quelqu'un qui me tire dessus, ça va pas être évident ça. Donc là, je vais chercher après les fragments et je vous montre où ils sont exactement. Ok, donc je les ai trouvés. Ils se trouvent juste ici, regardez, sur la map. Donc rendez-vous à cet emplacement. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement les détruire. Vous allez devoir détruire tous les fragments qui sortent de la terre jusqu'à temps qu'il y a un gros cristal qui sort. Voilà, celui-là. Et là, vous le détruisez aussi. Comme ça, vous terminez le quatrième défi. Et maintenant, le cinquième et dernier défi, et de remettre le réceptacle spirituel à l'oracle et écouter sa vision. Donc pour ce faire, vous allez devoir vous rendre à Steam Stack et parler à Jonesy. Donc là, c'est ce que je vais faire.
logiquement j'aurai peut-être moyen que j'aille le temps d'y aller, surtout que j'ai mon balai, donc ça devrait le faire. Ok, donc j'ai réussi à rejoindre Genesee Obscure, maintenant je lui parle, je passe le dialogue et ça termine le cinquième et dernier défi. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de Genesee Obscure. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.